Okay. Yeah, I can do that. Yeah, the doctor don't know, but New York was killing me. Okay. Bunch of doctors come around, they don't know that New York is killing me. Yeah, well, I need to go home and take a slow down in Jackson, Tennessee. Let me tell you, city living ain't all home. It is cracked up to be. Fast city living ain't all home. It is cracked up to be. En fait, le but c'est de passer du macro au micro. Simplement, là je rentre dans la matière. J'ai rencontré Franck un jour, ben Brock. Et puis on a peint ensemble, comme je suis pas du genre à formaliser, à me la péter, il te faut un pédigré pour venir peindre avec moi, je peins avec tout le monde. Il y avait à l'époque Eden, Emoy et Brock. Avec les 3 HC c'était cool parce qu'il y avait pas le chef et les autres, il y avait que des potes, on était tous égaux, pas plus, pas moins. C'était des mecs super babes, et ça allait toujours. C'était une antinomie totale avec ce que je vivais dans le graffiti à Paris. Rock, 3HC, fondateur du groupe aussi en 1990. Moi, j'étais pas tout seul, on était 3. Je fais aussi partie du groupe TNB, un groupe new-yorkais, du groupe Spam, c'est un groupe de parisiens. Et voilà, ça fait 20 ans que je peins, et là, pour célébrer ça, on organise une bonne expo avec tous ceux qui peignent encore depuis 20 ans. Et là, on a pu investir une grande salle et tout le monde a pu bosser pas mal de pièces. Et à la différence, je pense, des autres expos classiques qu'on peut voir sur Paris, c'est que l'endroit est énorme. Donc en une expo, t'as quasiment 10 expos de mecs individuels que tu peux voir au cours de l'année. Donc ça nous a permis justement de faire d'être un peu ambitieux, de faire des grands formats, du petit, de la sculpture, un peu de tout, quoi. L'histoire 3HC, on s'est tous rencontrés dans le quartier à Vitry, un autre qui était du nord de Paris. Et on a fait un peu d'illégal au début, mais on a tout de suite fait du terrain. Et tous les autres, de fil en aiguille, on s'est rencontrés par le biais des terrains, en fait. Vers les années 2000, des mecs un peu plus jeunes qui ont repris, donc on a rajeuni un peu le crew en faisant rentrer d'autres personnes. Tous les gens qui sont rentrés dans le groupe, en fait, c'est des gens avec qui on s'est bien entendu avant de regarder ce qu'ils faisaient exactement comme peinture. Yo, yo, it's for low jiggy, you know what I'm saying? It's what your father asked me to finish, son. You know what I'm saying? Check it out like this, low jiggy. Once I pull out the arson, niggas act a bitch like Martin. Murder mode ain't a role, I've been this way since kindergarten. Always acting an ass in class, always failed, never passed. That's when I knew I'd get nowhere fast. Ever since the age of 9, I've been kicking around. Skipped school and every time I got left behind. See, I was blind and needed much more than glasses. My only class was the battling rappers and Erasmus. Occupied in deep thought like I'm locked. Cause every day remain the same way on the block. Might change out my gear for the cops on stage. No fake footwear, fatigue hat covers the hair. And if you're looking for me, trace the trees in the air, honey. Don't ditch the gear, you don't wanna go there. MCs ain't seen nothing. Mon premier groupe, ça a été 3HC, après je suis rentré UV, après TPK, WIB, blabla, je t'en passe et des meilleurs. Le fait de se retrouver maintenant là, dans un atelier de peindre des toiles, je pense que c'est plus une évolution. Pour certains, ça a été une évolution plus évidente dans leur parcours, tu vois. Moi, ça a été moins évident, je me suis jamais dit que j'allais faire des toiles un jour. Je me suis dit, jamais je ferais ça, c'est quoi ce truc de ouf? C'est pas du graffiti. Mon approche de la toile, c'est pas le graffiti. J'utilise des bombes, je fais des lettres, je fais du BAPS. Ce sera toujours des lettres ? Ce sera toujours des lettres. There is no more incredible man on this earth. Boîte. C'est précis, c'est propre,
ça part dans tous les sens. Ouais, puis les mecs ils se complètent, parce que t'en as qui sont plus dans des lettrages, t'en as qui font des persos, des corps et tout, du coup ils se complètent à mort les gars. C'est trop bon. Je pense que tout parle parce qu'à la base le texte c'est un mouvement, et c'est le mouvement du bras, le mouvement de la bombe, et puis en fait c'est de l'énergie. Je peins avec Brock depuis maintenant 13 ans. Et lui il fait de la lettre, moi je fais du personnage, mais moi j'agrémente. Voilà. Tu saupoudres. Je saupoudre, je rajoute un truc là où il faut rajouter, quand faut rajouter pour embellir les lettrages, s'il faut embellir. Aborder le côté justement faire des persos, moi d'une manière figurative. Pour moi, figuratif, photoréaliste, c'est pas la même chose. Moi quand sur des murs je peins des portraits, je rajoute toujours des contours, j'essaye toujours de ramener un côté graphique, même si les gens ne le voient pas forcément. Moi, j'essaie pas de copier une photo. Il y a des groupes comme ça, comme McLean, qui font des trucs. Vraiment copier la photo, moi, c'est pas mon truc. Moi, j'aime rajouter un côté un peu BD, utilisé à la bombe. Je veux qu'il y ait des faces de couleurs un peu brutes, je veux qu'il y ait des couleurs qui se mélangent. Je cherche jamais potentiellement à faire du truc trop léché, un peu aérographe. J'essaie vraiment de rajouter de la matière. Alors René, le petit gamin que j'ai peint là-bas, c'est un photographe qui a pris cette photo de môme dans les favelas. Moi j'avais trouvé ce mec-là parce que je devais faire une peinture pour un truc brésilien. Et j'avais voulu peindre ce môme parce que je trouvais qu'il avait une gueule incroyable. Et j'ai appris donc 5 mois après avoir fait ce truc-là, en retournant sur le site, que le môme avait été shooté d'une balle dans la tête. Et donc du coup je l'ai repeint plein de fois pour le rendre hommage. Voilà. Longtemps déjà que j'ai pas fait de graffiti, mais disons que je suis en train de m'y remettre et je suis 3HC depuis le début en fait. J'ai commencé à peindre avec eux et puis voilà, ça m'a pas lâché. Moi je faisais beaucoup de personnages parce que depuis le début j'aime le dessin et compagnie, et puis j'étais pas très fort en lettres et puis surtout je laissais ça au meilleur, et puis à l'époque ils étaient déjà super forts, et donc moi je venais et j'enrichissais d'un personnage. Ils aiment le graffiti pour de vrai. Mais les 30 ans, ouais, j'espère, hein. On verra bien, hein. Il reste 10. Je pense qu'on continuera à peindre. Moi, j'ai pas peint pendant 20 ans pour m'arrêter maintenant, donc même si ça sera peut-être moins fréquent, peut-être qu'on bossera plus l'étoile, mais on sera toujours là, je pense.